Alors, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, t'adonner, merci pour cette vaste que tu m'accordes en tant qu'humain, parce que je ne suis pas digne de parler du vrai, mais tu me fais la grâce de faire de moi un serviteur. Alors, je te bénis pour cette grâce. Voilà, merci que ton nom soit béni pour toute cette bénédiction. Voilà, parce que tes serviteurs sont une bénédiction, tu peux une grâce. Voilà, c'est une grâce, utilise ma personne et fais du bien à ton peuple. Oh, merci, le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus que je prie, amen. Amen. Voilà, le rendez-vous de samedi, que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que tout va bien pour vous. Amen. Amen. Voilà. Si tout va bien déjà, c'est intéressant. Si tout va bien, c'est intéressant. Ok. Nous allons, n'est-ce pas, passage, nous allons parler des choses de Dieu. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène et on prie Dieu pour ne pas que ça prenne de l'ampleur sur le sol africain. On prie Dieu pour ne pas que ça prenne de l'ampleur parce que c'est pas bon. Si ça prend de l'ampleur, il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud qui va tous nous interpeller et donner des conseils aux gens parce que c'est important. Et la xénophobie, ouais, quand les étrangers sont réfugiés quelque part, c'est ça qu'on appelle la xénophobie. Quand un peuple ne veut pas accepter un autre peuple sur son territoire, son sol, c'est ça qu'on appelle la xénophobie. Et actuellement, en Afrique du Sud, ils sont en train de brûler des étrangers, c'est-à-dire des peuples noirs qui viennent de l'étranger, venir, n'est-ce pas, faire travailler en Afrique du Sud, des pauvres personnes chassées par leurs peuples noirs africains. Et encore, ce qui fait mal, c'est qu'on brûle les gens, on incendie le monsieur, et puis on met les sangs sur lui, on le brûle, et puis brûle seul, et puis les gens sourient. Vous voyez ce que je disais la dernière fois. Nous sommes vraiment dans les derniers temps où la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront cruels, voilà, sont cruels. Comment toi, tu regardes ton frère en train de brûler et tu es content? Comment toi, tu veux la mort de ton frère? Comment toi, tu penses que l'autre va mourir? Voilà, vous voyez un peu l'esprit qui anime aujourd'hui nos frères, et aujourd'hui, ce qui anime aujourd'hui nos frères, c'est les gens, c'est la méchanceté. Voilà. Voilà. Et pourtant, le commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi, vous comprenez? Le commandement de Dieu, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en principe, normalement, nous devons nous aimer. Et quand il y a l'amour également, on protège. Voilà, et puis on défend. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, parce que c'est important de savoir que le problème des étrangers était déjà réglé dans la parole de Dieu. Pour faire gloire à Dieu, Baruch Hashem, Dieu nous a fait la grâce pour nous autres d'aller à l'école, connaître les données bibliques. Donc quand j'ai un événement, voilà, nous tirons ça dans la parole de Dieu pour voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'événement. Voilà. Moi, je demande aux Nigériens d'aller doucement. On rend pas la violence par la violence. Voilà, allez doucement. Heureusement que les Ivoiriens sont beaucoup pacifiques. J'aimerais que tous les peuples africains soient pacifiques. Ne rendez pas la violence par la violence. Ce qui se passe en Afrique du Sud, voilà, faut pas que ça prenne de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Aux Nigériens, ils ont cassé l'ambassade. Sud-africains, ils ont cassé l'ambassade. Ils sont en train, même l'ambassadeur, j'ai vu une voiture, je pense, si c'est pas faux, ou c'est le véhicule d'un ambassadeur. Les gens l'ont interpellé, ils ont cassé les grandes sociétés, je n'ose pas dire le nom, parce que cette société représentait le Côte d'Ivoire, donc, parce que les gens aiment bien la récupération. Une grande société téléphonique a été saccagée dans les grandes capitales du Nigeria, et cette chasse à l'homme. La chose a été reprise au Congo, RDC. Donc, il ne faut pas que ça prenne de l'ampleur, il faut qu'on en parle. Et donc, pour moi, on ne répond pas à la violence par la violence.
Voilà, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il faut avoir le sens du pardon. Si les gens sont cruels, sont méchants, je pense que nous autres qui regardons ça, nous devons prier et nous devons appeler les gens à se calmer. Voilà, ça c'est calmer parce que c'est important. C'est important puisque nous sommes suivis sur les réseaux sociaux. Et c'est mon message. C'est vraiment très important. Ceux qui vont écouter ce message, il ne faut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça arrive même dans d'autres pays. Il faut que ça se calme. Notre prière, il faut que ça s'arrête et que les gens prennent conscience. Voilà, il faut que les gens prennent conscience. Mais aussi, c'est les signes des derniers temps. Et Jésus a dit, dans le Matthieu 24, il dit, vous verrez que dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un peuple. Voilà. Donc, c'est les signes des derniers temps. Alors, nous allons voir un peu l'histoire des étrangers dans la parole de Dieu. Allez-y dans le psaume 60, le verset 10. 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et là, amen. 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 Il dit, dans les sources, dans les Ésaïe 60, c'est un puissant, la prophétie d'Ésaïe, en fait, c'était la restauration du peuple d'Israël. Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Or, le mur est un symbole de sécurité. Vous comprenez? Amen. Quand j'ai un mur, un muraille, un mur, c'est un symbole de sécurité. Voilà. On est plus en sécurité quand j'ai un mur. Il dit, il n'a pas dit ta maison. Il dit, les fils des étrangers, les étrangers, là, leurs enfants, viendront rebâtir tes murs. Or, vous savez qu'Israël est caractérisé par le mur. Voilà, par le mur qui a tué Israël. Alors, donc ici, on peut interpréter ça comme ça. La sécurité sociale, vous comprenez? Ils viendront travailler pour la sécurité économique d'une nation. C'est pour ça que regardez un peu. Je suis ici, s'il vous plaît. Pour que les États-Unis soient aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ils ont eu besoin de la main-d'œuvre africaine. Nos parents noirs sont allés là-bas travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a les noirs, n'est-ce pas, américains. Voilà. Les noirs américains. Un peuple qui rejette un des étrangers, ce peuple-là ne se développe jamais. Comprenez-moi, écoutez-moi très bien. Les gens, un peu, vous voyez ici en Europe, ici, ouais, en Europe, ici, l'immigration, un peuple qui n'accepte pas, parce que d'ailleurs, même, si vous voulez, on a besoin du métissage, non seulement on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin des brassards de culture pour avancer. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, nous bénit Israël, n'est-ce pas, va envoyer Israël dans les temps jardins, c'est-à-dire dans les anciens temps. Israël est devenu comme esclave en Égypte et Israël a appris. Vous comprenez? Le peuple juif va apprendre en Égypte. C'est peut-être la même peuple. C'est le peuple d'Israël qui ont construit tout ce que vous voyez des grands monuments en Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle la pyramide, tout ce que vous voyez, très beau. Le peuple d'Israël a contribué au développement, n'est-ce pas, de l'Égypte. N'est-ce pas, c'était la grande plateforme de la civilisation à cette époque. Bon, aujourd'hui, dans nos champs, excusez-moi, ce n'est pas de l'injure, ouais, parce que quand les gens parlent, ils pensent qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent dans nos trucs. On a beaucoup de Doula qui viennent d'ailleurs, chez nous, les Bétés, là, qui vont dans nos trucs. Je crois que chez nous, on appelle les Doula Boubou. Vous allez le village des Doula, Doula Boubou, Monsieur Kro. Baoulé-Cro, voilà, parce que les peuples même, qui sont en Côte d'Ivoire, ils viennent migrer dans d'autres régions ivoiriennes et, n'est-ce pas, travaillent. Sinon, nous, les babétés, on est bien dans ces poliers, aller boire, manger, aller manger, on ne travaille pas. Boire du vin, on boit balai, on mange. Voilà, c'est un autre peuple qui veut nous travailler. Allez voir mon Djoula, il va enterrer quelqu'un. Allez voir mon Djoula, il va travailler quelqu'un. Donc, si on n'a pas la même peuple, on ne peut pas se développer. Pour vous dire, il faut qu'on parle doucement. Ici, immigration, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'Arabes dans beaucoup de milieux. Des Arabes sont là. Les Africains sont là. Voilà. Donc un peu, regardez, donc les gens, ils sont quand même ingrats. On sait comment les gens ont commis la patate qu'on appelle en Afrique du Sud. Comment les Blancs, mais qui nous ont maltraités, vous les laissez. Ils ont un quartier, vous les laissez.
C'est le nom qu'on porte là, le nom là, l'outil. Vous avez combien dans la tête? Bon, je ne vais pas envenimer la situation, mais pour vous dire, quand on a toujours besoin des étrangers, voilà, on a toujours besoin de l'autre pour avancer. C'est pour ça que Esaïe, le chapitre 60, verset 10, dit, les fils des étrangers rebâtiront tes murs. Vous comprenez? Ils vont rebâtir, ils vont venir bâtir tes murs. Donc, si on a besoin, pourquoi? Une nation doit accepter. Voilà, une nation doit accepter. Voilà, une nation doit accepter les gens pour avancer. Et donc, on ne peut pas aussi répondre à la violence par la violence. Mais tant qu'on n'aura pas des étrangers, parce qu'un seul peuple ne se suffit pas pour se développer. Voilà. Il ne peut pas se suffire pour se développer. Les Américains, certes, ils sont partis. Il y a des Belges, peut-être l'Amérique. Ce sont les Indiens américains. Voilà. Sinon, c'est les gens qui sont allés migrer là-bas. Et qui ont eu besoin de la main d'œuvre africaine. Voilà. Qui sont pour développer la nation. Donc, on a toujours besoin. Donc, dans Esaïe 60, verset 10, il est clair là-dessus, il dit, les filles des étrangers rebâtiront les murs. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Donc, mais si nous les Africains, l'étranger aussi doit l'être pour son endroit, qu'on ait aussi sa place. On ait sa place. Voilà. On ne peut pas te donner orteil, tu vas vouloir manger, rouler. Il faut qu'on ait la place. Amen. Amen. Alors donc, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse davantage, et que l'Afrique soit développée, amen. Et que la haine soit chassée dans notre esprit, dans nos esprits, amen. Et que nous soyons pour faire avancer notre continent africain. Amen. Mais les gens nous sont en train de nous regarder et nous nous bouffons les narines. C'est pas bon. Amen. Amen.